T'es bien calme. Oui, je réfléchis. Mais j'avais dit qu'on discuterait, non? J'ai entendu une voix, après avoir sauvé l'homme. Elle m'a dit que j'avais été touchée par les anciens, et que je devrais chercher... Que je devrais la chercher. Tu penses que cette voix a des réponses à propos de ta magie? J'espère bien. Et si elle était comme moi? C'est peut-être pour ça que j'ai été la seule à l'entendre. Elle m'a dit de me tourner vers les plus proches de la pierre pour la trouver. C'est-à-dire? Les enfants de la pierre. Des nains. Pas des surfaciens comme moi, mais ceux qui habitent dans les tréfonds. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui maîtrisent la magie là-dessous. Je souhaite que tu trouves les réponses que tu cherches. Moi aussi, je le souhaite. Je connais quelques personnes à Orzammar. Je vais aller les voir. Si j'entends quoi que ce soit, tu seras la première personne au courant. Bien sûr. Un problème? Théa veut te voir. C'est pas une mauvaise chose. Elle veut préparer les obsèques de Katerina. Oh. Je vois. Si ça ne t'ennuie pas, je pourrais avoir besoin d'aide. Au cas où Rancœur s'en mêle. Ne faisons pas attendre Théa. Jacobus, comment ça va? C'est une bonne chose que Rook ait trouvé le contrat de Tarek. D'après R, j'avais pourtant Jacobus d'espoir. Parfait. Vous êtes là. Merci d'avoir tout préparé, Théa. Pour Katerina, évidemment que j'allais le faire. Je suis désolée, Lucanis. Ça doit être vraiment difficile. Rook, merci de l'avoir accompagné. Il me faut un Della Morte pour tout préparer. Son cousin ne m'a été d'aucune utilité. Je suis navré, Théa. C'est vraiment trop dur en ce moment. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésite pas. Tu es adorable. Espérons que ces deux-là en prennent de la graine. Théa, arrête de flirter avec... mon associé. Tu es jaloux? Venons-en au fait, alors. On a beaucoup de choses à préparer. Mais d'abord, il me faut les cendres. Les cendres? Oh, par le Créateur, oui, les cendres. Les cendres de Katerina. De la crémation. Oh, oui, bien sûr. Je vais te les apporter tout de suite. Hilario, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? Katerina, comment? Comment les Venatori l'ont eu? Combien y en avait? Par où sont-ils entrés? Comment ont-ils déjoué nos gardes? Qu'ont-ils utilisé? Du poison? Des lames? Il faut que je sache. Cousin, arrête. Ressasse pas tout ça. Ça va te rendre fou. Je ne ressasse pas. Zara a tué la première serre. J'ai besoin de savoir comment si je veux l'arrêter. Je te l'ai dit, je m'en occupe. Les garçons, ça suffit. Nous avons d'autres points à voir ensemble. Pardon, Andaratea. Continuez sans moi. Je vais te chercher les cendres. Hein.
Je sens que quelque chose ne va pas, mais je saurais pas dire quoi. Quand il n'est pas en mission, mon cousin est toujours dans la lune. Ilario peut être difficile, mais là... La seule fois où je l'ai vu comme ça, c'est quand Lucanis est mort. Tu t'inquiètes, c'est ça? Que diront les gens s'ils apprennent que le démon de Virant a le cœur tendre? Il a parfois été insouciant, mais jamais quand sa propre vie était en jeu. Zara a éliminé la première serre. Ça peut être n'importe qui ensuite. Et mon cousin refuse de voir la vérité en face. Tu as raison. Ça ne ressemble pas à Ilario d'ignorer une telle menace. Qu'est-ce que je peux faire pour la cérémonie? Bien. Je vais nous commander à boire et on va gérer ça. Notre maison te doit une fière chandelle de t'occuper de tout ça. Katerina, c'était ma famille. Tu imagines ce qu'elle dirait si elle nous voyait comme ça? Elle serait furieuse. Surtout après Ilario. Comme d'habitude. C'était une femme intelligente. La meilleure. De toutes les serres, Katerina était la plus affûtée. C'est donc encore plus difficile à croire. Personne n'aurait pu la prendre par surprise. Et Ilario, qui semble complètement déconnecté de la réalité. Je vais demander à mon équipe de le garder à l'œil pour toi. Merci, Teya. Allez, je te ferai savoir s'il se passe quoi que ce soit.